Salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour un nouvel épisode sur Spirit of the Island. A la base, j'ai prévu de le faire en live, mais j'ai des petits soucis au niveau de l'ordi qui fait que ça ne passait pas, ça rendait un petit peu dégueu. Donc c'est pas grave, pour l'instant on va s'en occuper en vidéo. Alors, ça c'est les nouvelles animations. Donc maintenant, ça brillote une fois que c'est prêt à être récolté. Et ça tombe bien, parce que notre prochaine étape se trouve justement ici. De préparer les fermes. Et la nouvelle décoration. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Il me faudrait arroseur de qualité. Et pour ça, il me faudrait l'agriculture niveau 4. On n'en est pas loin, mais c'est pas encore trop ça. Donc pour l'instant, elle sera peut-être sur un niveau 2. Et on va en faire plusieurs comme ça ici. Donc il me faudrait de la terre, ok. Toi déjà, je peux te récupérer, parce que tu serviras plus ici. Vous deux non plus. Et je suis en train de me dire, on va peut-être poser un sac... Il faudrait quoi? Du plat en bois? Est-ce que j'en ai pas sur moi? Du plat en bois, du plat en bois. On va manger parce qu'on a faim et parce qu'on a besoin de place aussi. Et j'ai pas assez faim. Merde. Toi je peux poser et toi je peux prendre. Très bien. Il me faudrait un autre coffre avec des paquets de vis, ça serait cool. Qu'est-ce que je peux poser? Je peux poser tout ça. J'ai ce qu'il faut ici? Non. La fourrure, elle me sert à rien. Paquet de vis, je prends un coffre en fer. Je vais en mettre un autre ici. Comme ça, je peux tout poser. Et on va refaire après les organisations de choses, de comment on s'occupe de ça. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de préparer le terrain, de revoir la déco. Et on va commencer tout simplement par les fermes. Le temps derrière, on s'en fout un petit peu. Je vais juste aller chercher peut-être un petit peu de bois. Parce que j'en aurais besoin pour faire fondre tous les minerais. Ah si, en appuyant sur Shift, ça marche maintenant. Oh, j'avais pas fait gaffe à ça. Très bien. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Alors, ceci est vide. Il me faut du bois. Je vois qu'il y a plein d'arbres en dessous. Qui sont déjà coupés, d'accord. Très étrange. Donc, on va les couper ceux-là. Oh, on récupère que du bois dur? Ou ça dépend de l'arbre qu'on tape, peut-être, maintenant. C'est vrai que je crois que c'est la première fois que je coupe des arbres depuis la mise à jour. J'ai l'impression de récupérer un peu plus de pommes qu'avant. Et avant, ça nous laissait des rondins comme ça quand on coupait des arbres. Je m'en rappelle plus. Pour moi ça disparaissait plutôt, mais peut-être moi qui hallucine. Alors, ça c'est juste pour pouvoir récupérer des minerais. Et les transformer, parce que franchement, on a pas mal de fer. Je viens d'en mettre une soixantaine, je crois, à brûler. Et j'avais pas assez de... Pas assez de rondins. Voilà. Ça doit suffire, plus ou moins, à mon avis. Ah, on commence à être grave fatigué. On est grave fatigué, ok. Petit coup, quand même, dans les herbes. Ça pourra toujours nous servir parce qu'on va avoir besoin de pas mal de ressources quand même pour faire ce qu'on veut. Je suis en train de me demander si j'aurais peut-être pas dû le décaler d'un étage au-dessus. Pour avoir justement ici peut-être un chemin. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir tout qui est entouré? Non. Non, pas spécialement. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, ça sera très bien. J'ai juste posé peut-être les fruits et légumes que j'ai récupérés. Les pommes, je peux les mettre là. Je n'avais pas récupéré les... Ah, je les ai peut-être posés en bas. 94%. Donc on a quasiment tout récupéré. Ouais. Tout posé en bas. C'était pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Les fraises, je pose. J'en ai 40, c'est très bien. Donc on a pas mal de fraises, pas mal de tout. Il faudrait que je fasse un bidon d'huile pour arroser peut-être mes plantes. 2 heures de sommeil, ça sera suffisant pour l'instant. Surtout parce que j'ai besoin de créer des choses. Donc du bois brûlé, j'en veux une infinité. Toi, on récupère le fer. Voilà, enfin on recommence à avoir un petit peu de ressources. 2525, sachez pas du tout ce que j'ai foutu de tout ça, mais c'est très bien. De la graisse, il me faudrait un petit peu de graisse. On va faire un petit peu de bidon d'huile. x2. Très bien.
Toi, je l'ai pas posé. Donc, toi, je te pose. Toi, je te pose. On garde l'œuf. Alors, qu'est-ce que ça me coûte de faire justement un truc d'arrosage? 10 fils électriques, 5 de fer. Donc, 5 de fer. Et 10 fils électriques. Je les avais déjà, je crois. Oui. Une pile et il manquait quelque chose. 5 paquets de vis. Ça, par contre, je pense que j'en ai plus assez. On va en faire un petit peu. Paquet de clous, paquet de vis. 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc ça, je vais en garder deux, hein, des établis. Ça sera très utile. Des coffres, il va falloir en avoir pas mal quand même. Pour pouvoir tout supporter. Un coffre à minerai, un coffre à lingots. Enfin non, peut-être pas besoin, juste un coffre complet, ça suffira. Un coffre à ressources comme ça. Un coffre peut-être à loot. Quatre coffres à graines, ça serait bien. Un pour le printemps, un pour l'été, un pour l'hiver, un pour l'automne. Et un cinquième pour le reste. Et pareil, des frigos, il m'en fera peut-être un peu plus à terme. Ah, mon huile s'est pas mis tout de suite dans le truc, c'est bizarre. D'habitude, la moindre chose que je loot, elle part tout de suite dans l'inventaire. En barre rapide, mais là non. Voilà. Tout est arrosé, tout est très bien. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir? En chemin. Parce qu'on va devoir mettre des petits chemins aussi en dessous. Qu'est-ce qui a l'air beau? Il y a les routes qui sont en briques ou en terre ou en pierre ou en bois. La route ordinaire, c'est du bois. Voyons à quoi ça ressemble. C'est sympa, mais pas tant que ça non plus. Et en plus, je récupère de la terre en même temps. Ça, c'est bien. Il y a les trottoirs. Ah, ça coûte de la thune de tout poser? 5 dollars? C'est excessif quand même, 5 dollars. Eh bien, on va prendre un petit peu de pierre aussi. On va prendre les briques. Et on va prendre un peu de pierre. Et je récupère la terre, bien sûr. Comme ça, je peux tous les essayer. Alors, le trottoir, à quoi tu ressembles? Ça, c'est bien. Et en plus, ils peuvent. Ok, ils peuvent se rattacher. Pourquoi pas? Ouais, non, ça c'est un peu trop blanc, je suis pas fan. Alors, on va peut-être prendre une route ordinaire, hein, et puis c'est tout. Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est du gazon? Bah non, on va pas prendre du gazon, c'est bizarre. Ou sinon, il y a celle-ci. On va plutôt prendre celle du bas, je pense. Me direz-vous dans les commentaires ce que vous en pensez, celle que vous préférez. Mais on va prendre celle du bas, à mon avis. Et donc, celle du bas, c'était celle-ci. Ah, il y a celle-là, je crois que j'ai pas regardé. Ah, ça peut être cool. Mais c'est dommage le sol. Ça change pas la couleur. Avec une autre couleur, j'aurais préféré. Ou alors il y a ça. Et je peux peut-être les superposer. Non, bah non. Celle-là, c'est celle qui est un peu trop blanche à mon goût. Bah c'est pas grave. On va prendre elle. On va se poser. Je peux pas parce que je suis dessus. On va se mettre un peu plus à gauche. On récupère. Hop, route ordinaire. On va la mettre la plus en bas qu'on peut. Et la plus à gauche aussi pour être bien calé. Voilà. Hop. On a un petit peu décalé par rapport à dessus. Je sais pas si vous voyez. C'est assez étrange. Ils font peut-être pas exactement les mêmes tailles. Mais ça passe. Donc ça nous prend de la pierre. Très bien. On va peut-être plus laisser un truc au milieu justement pour pouvoir revenir jusqu'ici. Ah, le paquet de vis il est fini. Donc si le paquet de vis est fini, je peux poser. Merde, il est parti où? Yamete, reviens ici toi. Reviens là. Ah lui, vous avez peut-être faim ou soif vous d'ailleurs. Oula! D'accord. Elle est pas contente la vache. La vache, elle est pas contente du tout, l'eau. Je prends mon seau.
Et pourtant il pleut, hein, tu peux voir largement ce qui tombe de la pluie. Pef, nickel. Alors, tout ça c'est bon, on a dit l'arroseur ordinaire en attendant, nickel. C'est de la pierre qu'il me faut pour faire tout le tour, c'est pas grave. En attendant, je vais poser le plus possible en bas, je pense. 3, 4... Ah, 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 loupé, loupé, loupé. Il fait un petit peu sombre là tout d'un coup, je trouve. Et je crois pas avoir vu des trucs justement de lumière. Ah si, lampadaire. Ça coûte cher. Ça coûte très cher tout ça. Et là je peux pas parce que je suis dessus, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et il manquera un petit peu de terre. Mais c'est pas grave, au moins ça c'est fait. On va récupérer les cailloux qu'on peut, tant qu'on a assez d'énergie. 2500 cailloux, je pense que ça devrait suffire pour faire tout ce qu'on a envie. Les bancs en pierre, non. La route ordinaire, oui. Ah, pile poil, hein. On le double à cette hauteur. Et là, ah, je peux passer le coffre qui me bloque. D'accord. Ah, j'aime pas trop ça, je suis un peu décalé. Bon, c'est pas très grave, si. C'est grave si on est un peu décalé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois me rabattre pour qu'on soit vraiment sur un truc qui soit plus proche? De toute façon, ça n'a pas l'air d'être les bonnes mesures. Ou est-ce que je laisse comme ça? On n'a pas trop de temps à la rigueur à tout bouger, mais... C'est à vous de me dire, je vous laisse le choix. De toute façon, en attendant, on a plein d'autres choses à faire. Dormir, il est quelle heure? Il est 20h, on va dormir une petite dizaine d'heures pour reprendre toute notre énergie. Ce sera très bien comme ça. Allez mon grand, c'est l'heure de se réveiller. Parfait. Et il fait beau. Donc s'il fait beau, c'est déjà une chose de passer. Je suis pas dehors de ma propriété en fait, là je suis chez moi les gars. Bah. Est-ce que si je re-rentre et que je ressors de la maison, ça règle le problème? Ben non, je suis dans ma maison. Comment ça, en dehors de ma propriété? Qui essaie de voler ma propriété, là? Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je vais voir si je sors et que je re-rentre dans la zone. Yes. Ah, parfait. On peut poser des petits bancs, des barrières. Est-ce que les barrières, elles se posent? Elles peuvent se poser quand même pile poil dans l'entrejour. Ouais, donc ça serait peut-être mieux de pouvoir redécaler. Ah, j'ai un petit plan à récupérer. Youps. Ah, les arbres. On n'est pas allé voir les arbres en plus récemment. Je suis sûr que c'est le moment où ils sont pleins. Ça donne rien. Un truc que je vois prêt à tomber? Non. Donc pour l'instant, on n'a rien récolté. Je sais pas si ça va changer. Des graines. M'embêtez pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? On va peut-être refabriquer tout ça. Garder la maison. Le truc de vélo, c'est bien, mais je pense que je peux peut-être le mettre un peu plus à la même hauteur. Le garage est occupé par un véhicule. Oh, si je suis obligé de... Ah d'accord. Bah, adieu le vélo. C'est simple, hein, c'est rapide au moins. J'aimerais bien me mettre le plus haut, mais surtout à la même hauteur. Là, je dirais qu'on est bon. Là, je peux rappeler le véhicule? Ah non, il m'a juste fait des pop, mon vélo. Pourquoi pas. La maison. Je dois refaire les 2000 $. Bon, après, pour l'instant, elle sert à rien. Ouais, mais c'est vrai que ça fait partie de la chose. Je vais pas la reposer pour l'instant. Je vais garder ça pour moi. Donc ça, ça va être notre entrée. Super. Tout ça, je pète aussi. On va les refabriquer. Il va falloir rester très vigilant justement pour qu'on garde cette distance avec les jardins.
Donc, est-ce que je peux reposer ma route? Ah oui, toi, tout. Ouf. Ça va prendre de la place. Je vais tout reposer pour l'instant. Est-ce que je peux tout poser? Non. C'est pas grave. Un moyen de pouvoir récupérer dans les coffres directement pour être peut-être sympa. D'accord. On peut pas tout récupérer. Très bien. J'ai l'impression que j'ai pas déposé dans le bon coffre avant. Parce que j'avais plus de place de mémoire. Et maintenant, si. Voilà. Hop. Adieu le coffre là. Nickel. Et j'ai plus les pierres. Donc ici, il me faut les pierres. On reprend. Bah, j'ai pas repris. Ah, j'ai plus de place, c'est ça qu'il me disait en fait. Voilà. Là, t'as de la place, moi. Donc tu me reprends ta route ordinaire et tu la continues aussi longtemps que tu peux. Voilà. Comme ça, on sait jusqu'où s'arrêter. Yup. Ah, c'est ça qui me bloque peut-être? Voyons voir si maintenant je peux reprendre. Je peux reprendre. Bon, ça va être déjà bien comme ça. Donc on sait déjà sur toute cette zone-là, on va peut-être éviter de poser des choses. Est-ce qu'on n'en ferait pas une petite place de ça? Avec une petite entrée, peut-être pas en route, mais en trottoir. Ah, c'est pas pile poil synchro, hein. Vous savez que j'aime pas trop ça, moi. Si c'est pas synchro, je suis pas fan, hein. Là déjà, il y a des petits soucis quelque part. Qu'est-ce que je peux poser là-dedans? Rien. Là-dedans, je peux poser déjà la pierre. Je peux reposer le fer pour l'instant. Le reste, je le garde sur moi. Ah, parfait. Le bois, c'est bon. Le vélo ici, il est très bien. Ça, il est très bien. C'est peut-être sur cette partie-là que je vais garder justement pour les fabrications. Voilà. Faut pas non plus que le générateur soit trop loin, sinon ça marche pas. Par contre, c'est vrai que les panneaux solaires maintenant fonctionnent complètement, on a dit. Et j'ai pas ce qu'il faut encore. Qu'est-ce que je peux mettre en route? Parce que là, ça va peut-être pas être une route qu'on va poser. On va peut-être poser plutôt un trottoir. Et pour le coup, le blanc, moi, il me dérange pas. Il y a des gens qui l'aiment pas du tout, apparemment. Je sais pas pourquoi, moi, je trouve sympa. J'ai pas pris la pierre? Ah, j'ai plus de place. C'est pas grave, ça je pose, ça je récupère le fer aussi, vu qu'on va en avoir besoin. Celui-là. Franchement, ça va, hein. Bon, il est un petit peu clair, certes. Mais ça nous permet de faire un truc plus propre. Donc on va pas se plaindre. Pose tout ce qu'on peut. Ça, je peux pas. C'est pas grave, pour l'instant je continue. Oui, ça veut dire que les poules aussi et tout ça, on va les bouger hein, automatiquement. Je veux pas les laisser ici. Le pantalon là, il sert plus à rien. L'arrosoir, pour l'instant, je le pose. Le générateur, il était où? Il était là. Je vais te remettre ici en attendant, mon grand. J'ai pas forcément besoin de peut-être de remettre de l'huile tout de suite. Alors, le trottoir là, il est ici. Ah, loupé. Toujours un moment où ça loupe. Ce qui m'embête, c'est de me dire que je vais péter toutes mes ressources là, toute ma ferme. Je suis pas très joyeux à cette idée-là. Ça m'a quand même pris du temps de faire tout ça. On va peut-être faire un petit peu d'engrais pour accélérer tout ça et tout péter. Bon, après, clairement, ce qui est à 16, je dégage. Tout ce qui est en dessous de 60, je vais le dégager. Je suis en train de me dire, j'ai quoi? J'ai 4 ressources.
Je vais faire une moitié de circuit, enfin une moitié de carré ici, pour chaque ressource. Genre très bien, mais genre en agriculture, 288. En toute 50, je pète. Ça me rapporte des points d'agriculture, ça tombe bien. 3 points par truc, ça je laisse. Ça c'est 50 pile poil, t'as de la chance, 0%, bah toi tu dégages ça c'est sûr. Hop, 50 pile poil, tu restes 40. Ah, j'ai soif. Si j'ai soif, c'est que j'ai reposé les bouteilles, oui. 40%. J'ai perdu des bouteilles d'eau? Ah oui, il y en a une que j'ai détruite, c'est vrai. Alors, il va vite falloir que je monte quand même au niveau 4 pour pouvoir faire l'arroseur de qualité. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je trouve un moyen de booster tout ça? Ça, c'est bon. De l'engrais, de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais. Peut-être pas l'engrais de qualité. Ça, je sais pas si ça me rapporte peut-être des points d'agriculture. Des fibres de plantes et des déchets. Je vais poser toi. Et je vais récupérer toi. C'est dommage qu'il n'y ait pas un moyen de fabriquer des déchets de organiques rapidement. Alors je sais pas, les vaches elles pourraient faire caca, ça pourrait nous récupérer de quoi en faire. L'engrais de qualité, j'ai pas le niveau. Ouh, je peux en faire que deux. Mazel tof. Mazette. 8. Plus de foin. Elles ont plus de bouffe. Il nous faut de la bouffe. Vite du foin. Pardon, pardon, pardon. Il faut remettre du foin. 2. Nickel. Ah non, en fait, je peux récupérer plus que 10. La preuve, il y en a 12. C'est bon. J'ai récupéré un œuf que je voulais pas. Je sais pas où il a disparu. Ah, c'est les 12 en fait que j'ai récupéré. Bah c'est pas grave, les 12 je vais les poser. Qu'est-ce que c'est? Fleur blanche. D'accord, ça ressemblait pas de la fleur. Mais très bien. Toi t'as 50. Toi t'as 50 aussi. C'est bien. Quand même un moyen. Quelque chose qui se détruit plus vite que le reste. Les œufs, ça se détruit au bout de combien de temps les œufs? Ça reste valide combien de temps? 8 jours. Oui, non, 8 jours ça. 600$ l'œuf? Ah non, 50. Très bien. Donc les œufs, ça se garde trop longtemps. Tout reste 8 jours, 5 jours, 4 jours, 4 jours. Et là-dedans, 8 jours. Les cerises, 5 jours. Carottes, tout ça, ça survit encore. Les pommes, j'ai pas vu. Les pommes, c'est 3 jours. Et ben, c'est les pommes qu'on va poser. Peut-être un truc justement genre du compost. Rajouter un compost dans le jeu, ça pourrait être sympa. On va aller poser déjà une partie des graines qu'on a dit. Tep, tep, tep. On va poser les fraises. On va poser les fraises. Je vais faire toute la ligne et la ligne du bas. Donc vraiment, on va bosser par moitié. Alors, yep, yep, yep. Ça c'est bon. Ah, j'ai déjà plus assez de graines. D'accord. Ok. On va prendre les graines pour le reste aussi. Qu'est-ce qu'on va mettre? On a pris les graines de ça. Donc toi, je te repose. On va prendre les graines d'ail. Ou de poivre. C'est bizarre, leur poivre, on dirait plus du piment. Alors le fait qu'il faille rechanger de place à chaque fois le curseur pour réutiliser les objets, je trouve ça un peu lourd. Top, 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 j'en ai encore deux. Donc si j'en ai encore deux, elle, c'est celle du haut que ça prend. Donc toute cette moitié-là, jusque ici. Et les fraises, c'est en bas. Si on se trompe pas. Et toute cette zone-là aussi qu'on pourrait utiliser, je sais pas encore pourquoi.
Parce que mon but, c'est d'utiliser le nord, peut-être, pour tout ce qui était animaux. Le sud, entre guillemets, pour tout ce qui était plantes, justement. J'ai cru que j'allais lui donner un coup d'épée à la peau. Et après, de faire au fur et à mesure, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Toi, je peux te poser. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Les lombriques, je vais garder pour l'instant. On va poser les piles. Je vais... Ça, je peux pas. Ça, je peux. Après, il y a des trucs que je pose, mais ça sert à rien parce que je vais en récupérer d'autres. Les plantes au niveau des vaches, faut que je les garde, c'est vrai. C'est ça qui les nourrit. Du moins, elles en ont besoin, apparemment. Il faudrait peut-être un peu de lait. J'ai pas pensé à ça. Donc tout l'intérieur en fait va pas forcément être en... Ah quoi que, je suis peut-être en blanc. Ah peut-être. Je vais reprendre un poêle. Ou un poêle. Un poêle. Poêle. Enfin bref, je vais reprendre un de ces trucs-là. Juste pour le faire. Lingot de fer, lingot de fer, lingot de fer. Il me faut les minerais. Minerais, je récupère. Lingot, je récupère. Et on aura un petit peu avancé là-dessus. On va attendre que les autres se fassent au fur et à mesure. Enfin, les autres graines. Toi, je vais peut-être te taper déjà. Je les reposerai à la main. Enfin, je les arroserai à la main au pire. Il faut de toute façon que tu ailles pas ici, à peu près là. Ah, il arrive quand même à l'arroser lui, hein. D'accord. Est-ce que je peux réussir juste à faire le tour, peut-être? Juste pour être sûr. Non, il est bien posé. Super. Super pour ça. Très bien. Maintenant, on a ça. Le meunier, j'en ai besoin. Et la machine à vin, j'aimerais bien faire machine... Bah, le meunier. Donc, il me faudrait 10 fils électriques, 20 pièces mécaniques, 20 pièces machin. Donc, on récupère tout ce qui est fil. Le seul œuf qui reste. Combien de temps ça se garde, d'ailleurs, les œufs? Ah, la bouffe, par contre, se garde beaucoup moins longtemps, j'ai l'impression. Peut-être une bonne idée de garder de la bouffe. Enfin, transformer en bouffe et laisser ça périmer. Les paquets de vis, je prends. Pièces mécaniques, je prends. Piles, je prends. Non, c'est tout ce qu'il me faut. On a dit, il me reste encore 13 pièces mécaniques et 10 pièces électriques à faire. J'ai pas assez. Qu'est-ce qu'il me faudrait plus? Des paquets de vis. Voilà. On en fait 10. Peut-être pas besoin de dormir tout de suite. Par contre, la bouffe commence à se faire sentir. Est-ce que j'ai encore quelque chose à bouffer quelque part? Ah, j'ai plus de nourriture. Alors se préparer parce que l'hiver va être chaud, les gars. Après, je peux manger les trucs en direct comme ça. Alors, les patates. Oui, carottes. J'ai beaucoup de carottes. Et les fraises. Je peux manger les fraises. Oui, je peux manger des fraises. Très bien. C'est pas forcément le truc le plus utile, le plus rapide, mais... Voilà. Petite astuce, si jamais vous avez faim, que vous voulez manger rapidement... Ah, il me reste un œuf. Vous faites I, vous allez sur l'inventaire, pareil pour la flotte, et vous utilisez directement dessus. 1000 fois plus rapide. Vous n'avez pas les animations qui rentrent en compte. Est-ce que ça marche aussi pour les bouteilles d'eau vide? Non. Non, par contre, ça aurait pu être pratique parce que ça, c'est un peu chiant. Les clous, ça va prendre longtemps. Ok. On va faire une petite sieste de 2 heures. De toute façon, on commence à se fatiguer. Yus. Et les vis, normalement, elles sont finies. Jour d'après, on a de moins en moins de choses, peut-être. Oh, et en plus, il pleut. Ah non, elles sont pas finies. Donc ça se récolte. Ça tombe bien. J'ai plus besoin de les ramasser à la main. Enfin, de les arroser à la main. Et on a encore plus de blé. Donc il va falloir vraiment qu'on se fasse un truc pour le blé. Parce que ça par contre ça dure longtemps. Ça me rapporte pas de bouffe ça. Ah si, 5% quand même pour la fin. Je ne pensais pas. Je suis mauvaise langue mais je ne pensais pas que ça me rapporterait autant. Récolter un petit peu de terre, je ferai peut-être entre 2 épisodes parce que là il va m'en falloir vraiment beaucoup. Je pense peut-être 120 ou 130, quelque chose dans le genre. Comme j'en récupère que 1 à 2 par coup de pelle.
que j'aimerais quand même peut-être pouvoir poser un truc complet de ça, un carré complet niveau 2 pour chacune des graines. Là pour l'instant je le fais pour la moitié. Mais sur le long terme ça serait peut-être mieux. Faudrait que j'ai assez de graines par contre aussi. Ce qui n'est pas du tout le cas. 87%, allez, une petite sieste de 2 heures à nouveau. Je repose juste le blé pour éviter qu'il disparaisse. C'est bien comme les bruitages quand on est à l'intérieur de sentir qu'il y a de l'orage dehors. C'est pas toujours bien fait, surtout au niveau des changements, on va dire, de. Comment ça s'appelle? De météo, qui sont parfois trop bruts à mon goût. Mais sinon, c'est pas mal. Alors, c'est lesquels qui nous en faut déjà autant? 13 pièces mécaniques et 10 de l'autre. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Bon, ça a l'air pas trop long encore. Donc le fer, c'est bon. On va s'occuper du silice aussi. Parce que là, j'en ai pour 2300 balles. Ça, c'est pas mal. Hop. Et on va prendre l'or. J'ai limite plus d'or bientôt que de cuivre. Donc au final, je vais peut-être commencer à être un petit peu en dèche de cuivre. Bon, j'exagère. On a largement de la marge. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Ok, du blé, il y en a encore. Est-ce que j'ai des graines de blé? Je pourrais peut-être déjà commencer à en faire. Pas ici. Les graines, c'est là. Le blé, ça doit être avec les autres. Donc ici, 128. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Ah, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Je vais poser peut-être mon petit carré de terre. Et prendre mon petit blé. Alors, un ici. Vas-y. Un là. Bon, c'est ça qui est. Le blé, on va le faire complet. Parce que finalement, on en a besoin toute l'année. Et je crois qu'il tient toute l'année sauf l'hiver. Donc l'hiver, tout disparaît hein, pour moi. De ce que j'ai compris. Ah, il y a le café aussi. Il y a le café. Le café, c'est pratique. Ça peut nous permettre de plus dormir. Mais dormir nous permet de passer le temps aussi. Donc c'est une bonne question. Est-ce que je prévois de faire assez de café ou pas? D'accord, une graine de café, c'est toute l'année. Je ne sais pas. Pour le café, j'hésite. Voilà, on a ce qu'il faut, donc beaucoup de terre. Eh bien c'est. Ah, mon sac est plein. Mon sac est plein, je vais peut-être pas poser les précédents lingots. Le silice, je pourrais pas en utiliser plus. Les briques, pour l'instant, je pose. Je vais récupérer l'argent. Tant qu'à fabriquer quelque chose, autant que ce soit utile. Pas mal d'argent aussi. Pas mal d'or. Peut-être pas tarder à commencer à vendre. Ah, plus de bois. Il faut aller recouper du bois. Oui, parce que d'ailleurs, ça nous rapporte combien maintenant tout ça en silice? J'en ai 18 pour 2304. Ouais, peut-être que je le pose. 27 pour 3400. Ça vaudra très cher une fois que ça aura été refabriqué. Mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce qu'il faut pour l'instant pour me les faire. Et niveau T2, j'en suis. Ah, T2, on se rapproche. On se rapproche du T2. Donc avec un peu de chance. Je crois que les poser, ça me rapporte 1. Faudrait que je pose 60 carrés. Ah, c'est bon. Le meunier! Ah, j'ai plus assez de paquets de vis maintenant. Zut, zut, zut. Allez, fais-moi des vis, mon gars. Pour l'instant, je récupère un petit peu de terre. Très important, la terre. Très, très, très important. Mine de rien, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Je vois des fermes sur le Discord du jeu, mais qui sont hallucinantes, vous imaginez même pas. Les mecs, ils t'ont fait des beaux chemins, des trucs qui sont propres. Moi, je te fais un truc qui est dégueu complet, là. Mais eux, ils sont là. Tu sais, c'est genre le gars, il a pris un plan, il a fait un truc d'architecte carrément, il a appelé son pote, qui lui a pas fait de frais, il a appelé un maçon. Puis moi, je suis là en mode. Non, mais là, vous voyez, je vais mettre un petit carré, ça sera très bien. Puis un autre petit carré, ça sera aussi très très bien. Voilà. Moi, c'est comme ça. Y a pas de mystère. Dès qu'on va voir le niveau 2, là, on va décoller. Hop.
Hop, couper un petit peu. Wouh! Le mec qui utilise une épée en or pour couper des herbes. Oui, nous sommes riches, monsieur. Nous sommes dans l'opulence. Ah, c'est vrai qu'il y a les graines là. Peut-être pas les laisser partir. Ouh. Ce serait dommage de gaspiller. Ah, je crois que c'est fini si ça sursaute. Non, quand ça sursaute, c'est pas forcément fini. Ok. Allez-y. Ah, par contre, l'arroseur, il est pas considéré comme pile au milieu. Donc ça fait qu'il m'arrose pas toute la zone. C'est étrange, pourquoi celui en bas à droite est pas arrosé? Il m'arrose celui qui est tout à gauche. Peut-être trop loin. Peut-être des hitbox un peu spéciales. Hop, et on peut finir ce carré. Et bah parfait. Si je finis tout ça et que je récolte un truc, en plus en arrosant, à mon avis, je passe niveau 4. Bon, enfin avoir l'agriculture niveau 4, ce qui va nous permettre aussi de faire autre chose. Autre chose qu'on a oublié, parce qu'on n'avait pas le niveau. Mais c'est la machine à boisson, la machine à fromage. Donc il va falloir qu'on s'occupe du lait. Ah, comme quoi, on rentabilise le tout. Ah, j'ai déjà plus de blé. Il va falloir que j'achète des graines de blé. Je peux en loot, je crois, encore. On va voir ici si je loot quelque chose. Non, pas de blé. Donc, je loot pas de graines de blé. Ah, ça, par contre, c'est embêtant. C'est embêtant parce que j'avais prévu que j'aurais assez de graines. Mais apparemment, non. Donc, faut que je regarde chez Jean-Michel s'il m'en vend. Je crois que dans la grotte, c'est du blé ou du café que je loot. Ok, c'est pas grave. Là, j'ai mes vis. On récupère nos vis et on va juste le poser par principe. Ouh, il prend de la place, lui. Et il coûte de l'électricité, en plus. On peut faire de la farine et ça nous prend que du blé. Eh bien, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait, du blé. Hop. Pose mes petites graines. Plus que deux. Faut que j'aille regarder où c'est qu'on en récupère. Je vais faire un petit tour dans la grotte avant. 108 de blé, je prends. 204 de blé. 312. Ça nous fait faire 104 de farine. À mon avis là, il en a pour un petit temps. Je vais juste en faire une pour voir ce que ça donne comme expérience. Je pense que c'est de l'artisanat, mais on sait jamais. Ah, les jaunes, ça me donne du blé. D'accord. Mais on n'a plus les jaunes. Celle qui était là à la base, je crois. Par contre, à la vitesse où ça va, les 104, il va prendre son temps. Artisanat. Ok, moi, je peux tout envoyer. Nickel. Et la farine, est-ce que ça périme? La farine ne périme pas. Donc je vais la mettre ici. Et ça nous donne de la place pour de nouveaux ingrédients. Enfin, de nouvelles recettes, surtout. Donc je pose. Le cuivre, je peux prendre. Ah bah non, j'ai plus ce qu'il faut. J'ai plus de bois. Donc, on a enfin réussi à poser ce meunier. Ça, c'est très bien. Ce qu'il nous faudrait, ça serait un peu plus de blé. Donc, je vais juste vite fait faire un tour dans la grotte pour voir si on récupère des graines de blé. Ah, mais ça serait dommage de partir dans la grotte maintenant et pas récupérer peut-être les minerais. Bon, après, le but, c'est juste les graines, là. Donc, Puis, je suis sûr que sur deux deals, ça peut se récupérer, donc je vais peut-être pas aller dedans. Mais quand même faire un tour pour voir si c'est l'heure de récolter des ressources. Parce que le fer, vous avez vu, ça va partir très vite. Surtout quand je vais commencer à poser des lampadaires, des choses dans le genre. Après, il y a la deuxième grotte maintenant qu'on a découvert, le donjon. Ah, c'est une bonne question. Donc là, il va falloir qu'on prépare aussi le truc pour traire les vaches. Ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, on l'a pas. Et on va avoir besoin de lait. Parce que là, ça nous fait du cuir, c'est bien. Mais le cuir, on sert pas plus que ça, maintenant. Hop, de l'or. 61 lingots d'or, quoi. La richesse. Combien? 5000. Donc 5000 d'or. 5000 d'or, je trouve ça raisonnable. Hein, je sais pas vous, mais... Ça, c'était quoi? Ça, c'était le blé. Là, c'est les piments. Enfin, les poivres, pardon. Pour moi, ça ressemble à des piments. Je suis désolé, les gars, hein, mais...
Vous pouvez pas appeler du poivre du piment. Et inversement. Ou inversation d'ailleurs, comme vous préférez. Là, il n'y a pas de... Ah, c'est quoi, c'est quoi? De graines de blé. Il y a du poivron d'ailleurs ici qui traîne. On va le mettre au-dessus. Fraise, ça doit être bon. Fraise, je pense que j'ai ce qu'il faut. On se quitte pas tant qu'on n'est pas niveau 4 en agriculture, hein, je vous préviens. Bon, après, ça va aller vite. Il nous manque 33 points, 32. Ça, c'est bon. Les graines de poivre, on le met en 8. Et merci. Il me faudrait plus de blé, quand même. Et c'est dommage qu'on puisse pas récupérer les graines. Après, c'est vrai qu'au changement de saison, on va récupérer pas mal de trucs pour faire de l'engrais. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi à se rappeler. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de la BH. Et on est en plein milieu du mois d'été. C'est vrai, c'est vrai. Toi, je pose. Toi, je pose. Pas ici, d'ailleurs, dans ton bon coffre. Ça serait mieux. Donc toi, t'es posé. J'ai assez de graines de chaque, maintenant. Ça, j'ai... Ça, c'est que des arbres, je crois. Les trois, là, c'est les arbres. Des concasses, j'en ai pas posé. Des cassaves, j'en ai pas posé. Du café, j'en ai pas reposé pour l'instant non plus. L'ail, il est pas encore posé. L'électricité, par contre, elle descend. Ah. Ça, c'est très bien. Ça, je récupère. Ça, toi, je sais pas pourquoi t'es ici. Toi non plus. Toi non plus. Il y a déjà un coffre où vous êtes stocké. Là, ça va juste être la bouffe que je veux qui périme. Ça, c'est ok. Là, j'ai... plus ou moins ce qu'il faut. Réfléchissons, réfléchissons. Comment je peux accentuer rapidement mon gain d'agriculture sans avoir tout ce qu'il me faut. Il y a cette terre, ça c'est bien. 517, c'est pratique. Toi je pose. Toi je pose aussi. Le ver de terre, tu me permettras de faire de la pêche plus tard. Mais c'est pas encore le cas. Et la pile. Voilà, les inventaires sont vides. On va péter et poser. Hein. Péter et poser, c'est notre seule solution. Je pourrais faire une petite sieste de 10 heures pour passer à demain matin. Ça me permettrait peut-être de récolter 2-3 choses. Mais péter et poser, je pense que c'est la meilleure solution. Et normalement, notre dernier coup de pelle. Et voilà, agriculture. Niveau 4, débloqué. Donc paquet de vis, pile, fil électrique. Vous allez voir, ça allait beaucoup plus vite maintenant. Paquet de vis, hop, fil électrique, hop, pile, hop. Toi, je vais te casser la gueule. Ah, il manque un paquet de vis. Donc on fait le malin, mais il manque quand même un paquet de vis. J'en demande juste un à faire ici. Et par contre, chez toi, j'ai demandé à ce que tu m'en fasses 10. C'est comme je vais devoir tous les remplacer, les deux. Ça prend quand même son temps, hein. Donc toi, je te pète déjà. Parfait, merci. Comme ça, toi, je te pose en plein milieu. Ça va suffire pour tout arroser. Toi, je te pète aussi. Et je te pose. Qu'est-ce qu'il me manque ? Paquet de vis à nouveau. Ça tombe bien. Yes. Et bang, bang, bang. Comme ça, tout est arrosé. Magnifique. Ceci est magnifique. J'ai réfléchi le temps que je posais mes coups de pelle. En hausse, j'ai quand même tout décalé d'un cran. Parce que je trouve ça moche. Je trouve ça moche que ce soit décalé, ça me perturbe. J'imagine que vous, ça vous perturbe aussi. Et puis je me dis, de toute façon, c'est un peu con de perdre une rangée ici, pour rien. De toute façon, c'est des champs. Je marche dessus, je vais récolter dessus. Donc autant que ce soit pas pas séparé. Donc ça fait que je vais devoir péter tout cela aussi, il va falloir que je trouve du blé. Donc je vais m'occuper de ça entre deux épisodes, péter pour redécaler d'un coup, retrouver un peu de blé, et peut-être faire les fermes directement, avec ce que j'avais dit. Il va falloir que je calcule, parce que ici il m'en faudra, c'est quoi, c'est 5 par largeur? Donc il m'en faudrait 10. Il faudrait que je puisse mettre 10 de terrain, juste regarder si c'est possible, comme ça je peux faire encore 2 champs à gauche. Sinon j'en ferai qu'un seul. Je peux en faire qu'un seul, c'est pas très grave. Pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il y a un truc à péter. À mon avis, je pourrais en faire qu'un seul. Si je peux en faire qu'un seul, c'est pas très très grave.
Ouais, non, je pourrais pas en faire. Non. Ça passera pas. Donc, ça sera qu'un seul. On se retrouve dans un prochain épisode pour la machine à fromage, la machine à boisson, le lait, et surtout avec un truc un peu mieux posé que là tout de suite. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde.